Situation tension qui a prégné toujours dans la Tibonite après une fin connaît des blousailles qui étaient passées. Cette policiers étaient perdu la vie. Jeudi, à Nayon, filature peuple a monté brigade de vigilance. Rivé mettait la patte sous deux jeunes garçons qui t'a transporté balle pour aller poter par chef gang Lixon. Non, ça vient. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content ensemble avec nous. Jeudi, à nous, c'est 9 février 2023. C'est le moment pour me présenter les principaux points qui pourraient faire essentiel dans la nouvelle là pour jeudi. Luis Almagro, qui est secrétaire général la Nations Unies a plaidoyé en faveur Haïti, expliquer problème insécurité cap le terrain. Haïti pas capable de sortir pour col et situation ça, il m'a pressé à l'ONU et puis l'autre pays qui décide pour tes coups de main réagir pour joindre une solution à cause des gangs cap fini à KPI. Il y a un gouvernement américain qui mettait une note d'ailleurs fait qu'on est, il dépensait une quantité million dans le pays d'Haïti, il parlait tout, il parlait de qui moyen, il est capable de porter plus aide pour Haïti dans le cadre d'assistance légale, il est habitué à acheter machine et avec munitions, ZAM pour Haïti capable de sortir dans sa liée là. Et puis DCPJ qui écrit une lettre bien ouverte avec direction radio, télé éclair, Mandeo était disponible. Lucodésir qui s'est animateur vedette émission matin débat pour vendredi 10 caprine là toujours dans le cadre enquête qui ouvert dans ZAC criminel yo m'a dit faut que Lucodésir à répondre à question la justice dans 10h dans matin vous connectez sur TV 83 réseau information et c'est pour ça yo à l'autre qui prend débattre dans journal là pour jeudi. On a informé que la Tibonite levée avec ensemble d'activités malgré ces paralysie parce que toute activité au pas répondre avec problème insécurité mais gagné quelques activités dans quoi activité scolaire qui a fonctionné timidement malgré parents yo avec un peu d'inquiétude obligé voyer timonio l'école dans fait stand-by devant barrière l'école là au fin mener timonio l'école pour retenir yo au moins si gagné dérapage pour entrer la caillou information chita dans commune Verrette pour matin, parce qu'hier au soir, et dans la brigade que population fait, dans la zone des jardins, une localité qui trouvait le sous-goût et Verrette là, eh bien, ça a la cause que monsieur t'a mis des mains sous et un chauffeur moto qui t'a gagné à aboli des passagers et côté monsieur brigadier t'a saisi un sac avec un bègue qui était et dans même monsieur et pratiquement les locales l'ouvrir sac avec bègue là, ils jeunes ils ont quantité de 100 boîtes de cartouches dans sac à valise là et c'est des cartouches de grand calibre et selon l'information qui veut joindre pour matin et moun dans zone des jardins à Kadoda dans commune Verrette levé avec l'eau dans yeux parce que pour petit yo déjà identifié trois moun qui blaye à tête et monsieur Bas Gangrif dans sa vient yo semble que balle la à destination t'a joindre et bien on une information que balle et que population saisi balle et bien au débarquer dans zone aux environs 9h30 pour arriver minuit, il fait coup de balle chanté à hauteur d'homme qui atteint pour plus petit trois monde ça qui est jeune mais la population fait quoi au paquet l'autre monde qui a cherché qui au poco trouver dans commune Verrette monsieur débarqué dans mi-temps centre ville Verrette hier soir avec un camion, il boté un paquet motocyclette pour rentrer dans Bazio. Son situation qui paraît vraiment difficile pour monde qui vivent dans le département la Tibonite, c'est l'ensemble des dispositions au changement stratégique ça au fait après monde dans commune Liancourt décider mettre barricade dans plusieurs axes pour empêcher bandits de continuer une faire exaction et bien ils ont changé zone, ils passé dans centre-ville Tigrière la Tibonite en passant par barrage Cano pour venir sortir dans pompe Arimont également pour venir faire détournement camion marchandises avec vol et réception et munitions que vous voyez acheter sous frontière et bien c'est à cause des brigades là qui permettent de saisir munitions sao qui la cause plusieurs jeunes garçons perdu la vie yo parmi eux gagné un jeune garçon qui c'est un thérapeute dans et pratiquement dans centre et hôpital Albert Schweitzer dans des chapelles qui perdu la ville hier au soir et comme identité parent il t'a fait quoi qu'il relait Ashley jusqu'à présent pour matin dans zone là c'est tout le monde c'est code marin des mains en tête gagne un paquet de jeunes garçons qui a cherché que vous trouvez à part des trois jeunes garçons qui blaye à terre Blaise Peterson et avec Jean-Wilbert Severs. Désir, comme si comprendre bien là, c'est que trois jeunes garçons sous moto, valise, sac cartouche à poté banègue dans sa vient. Population à travers brigade, joint cartouche à yo saisi dans même monsieur yo. Mais qu'on y a en garde non, jeunes garçons sous moto qui t'a poté cartouche à banègue ça yo. Yo sauvé ou même, yo pas gagné rien. Et t'es gagné une là-dedans qui t'est sauvé, gain deux là-dedans qui t'est parmi chauffeur taxi avec une dame qui d'elle pour chauffeur taxi elle fait quoi que lui-même il par connaît qui va monsieur t'est porté son job de 1000 gouttes de qu'elle t'a fait avec monsieur yo et pratiquement monsieur t'es qu'un des monsieur qui t'est resté yo et bien c'est ça qui t'a sauvé à quitter la école non jardin diri qui semblait faire appel avec monsieur Gangrivo pour faire connaître que yo qu'un béo prend cartouche dans main et puis par la suite monsieur pour le débarquer population t'es aux abois pendant soirée faire toute qualité appel pour les policiers, pour au moins te venir porter au secours, pour te venir récupérer munitions, au moins pour te prendre contrôle de la situation. Policiers qui cantonnaient commissariat dans cette ville vers là, et ils te répondent pour faire quoi qu'ils n'ont pas en mesure pour déplacer, parce que même ils ont bicyclette, ils n'ont pas gagné qui dans le commissariat, et ça t'appelle la cause que les gens dans la zone sont obligés de dormir, majorité dans les dormir dans la pour jusqu'à matin, pas gagner intervention policière qui fait cette zone, et ça qui est dans la zone Pont-Parémont, à Cap-Doda, et Desjardins, et cadavres ont été à terre et jusqu'à présent munitions ont été et dans les airs on a même monde qui était saisi sur route la Blaise Peterson. Cadavre ça c'est de monde dans la population civile là ou bien monsieur Dekembeo? Non, des monde qui dans la population civile là. Monde qui dans la population civile là que monsieur Vini yo usé avec balle en revanche et des munitions que population qui était montée et brigade là qui saisi. Détail mesure qu'on avons à les désirs concernant deux nexao chauffeur moto avec l'autre maintenant est-ce qu'ils remettent la police comment ça passe avec eux? La police au projet arrivé et des monsieur ça a dû toujours en main et monsieur qui était organisé brigade sous zone okay. Jusqu'à présent quoi que la police a dû reprendre contrôle situation pour matin au moins pour ta récupérer si encore vivant parce que population encore les capacité de la vie à la mort. On parle de n'importe 100 boîtes cartouches pas vrai? 100 boîtes cartouches. Oui, mais j'en garde la désir avec vous, c'est que monsieur encore pied à l'aise toujours, puisque vous traversez avec camion, allez prendre moto, mettez moto dans la machine et puis allez ensemble avec vous. Oui, et il y a une zone de traverse dans le centre-ville de la Tibonite par rapport à la situation qui gagne sous commune en cours, suite avec exaction que monsieur Tevin fait dans le dernier jour, population et barricadée ensemble action. Monsieur fait un pile coup de balle chanté hier dans le niveau et Kafoupé avec Chablende qui gagne une unité spécialisée soit là-dedans. Et dans l'idée, au moins pour permettre de faire accès sur route nationale numéro 1 dans le niveau Kafoupé pour rentrer, eh bien, et ça a échoué parce que monsieur et soit agent spécialisé était pratiquement poussé en bas coup de balle. Et bien, monsieur font l'autre stratégie, ils passent par centre-ville, utiliser la Tibonite pour venir sortir et sous barrage canot et sortir pour Pont-Parémont qui au accès direct pour y rentrer dans la commune Verrette et même descendre dans la commune Lyoncourt si vous voulez et passer même aller jusqu'à Mibalais mais arriver dans la zone Pont-Parémont. C'est situation qui pratiquement développée et au niveau Balatibonite précisément entre commune Verrette et Thirivière et Lyoncourt dans le dernier jour qui pratiquement occupé l'actualité ensuite avec M. Gangrifio qui continuait à gagner terrain. Là nous connaissons que la police pratiquement abandonné plusieurs commissariats et stratégiques qui sous zone c'est pour ça que la population passe pas demander avec responsable dans pire au niveau pour penser avec situation ça parce que bagala ka vin plus grave dans ce qui a venu aussi au continuer quitter commissariat sans yo pas équipé avec agents et policiers surtout unité spécialisée qui capable prendre contrôle situation dans la Tibonite parce que les informations que je nous monsieur déjà a construit des l'autre caille qui à la hauteur des communes Verrette en façon pour mettre en l'autre annexe gangnan pour gagner plus contrôle parce que senti bagala comment c'est difficile dans la commune Lyoncourt, là où détourner camion marchandise pour aller dans BAC. Gagné, secrétaire général organisation État américain Luis Almagro, qui lui-même réagit sur la situation haïtienne, quand il prend la parole des Conseil économique et social des Nations Unies, UNECOSOC, dans le cadre de rencontre qui est organisée dans le siège social OEA, dans Washington, aux États-Unis. Comment qui ça, secrétaire général organisation État américain, Luis Almagro lui-même dit Haïti, même pour lui pas en mesure pour le cas solutionner crise pays à faire face jeudi en là. Fandi phrase ça fait écho en pile, li mette accent en pile, ça li fait gros débat. Phrase si là que Luis Almagro lui-même dit dans cadre rencontre si là pour dire Haïti pas capable pour qu'on lui bien solutionner crise pays à faire face jeudi. toujours qu'il est favorable, on parle de Luis Almagro, il est toujours pour une intervention spéciale pour aider Haïti. Monsieur Almagro, dans le message que lui-même lui posté sur le code QDL, il fait qu'on est. Nous devons mobiliser les ressources en dedans du système interaméricain pour nous bailler Haïti support nécessaire et solide pour rétablir la sécurité et la démocratie peuple haïtien. En réalité, le secrétaire général OEA estime que pour les nationales d'Haïtiens, pas en mesure pour faire face avec menace sécurité ça qui je dis c'est plus gros défi hein, qui je dis que n'a fait face ensemble avec lui. Mais il est clair que faut international li aider Haïti pays qui c'est membre soit conseil sécurité l'ONU OEA tout ensemble doit mettre mais ensemble pour aider Haïti non aider pour le matin sécurité qui gagne là ressources humaines, les ressources humaines, ressources matérielles et financières qui sont nécessaires pour le restaurer, pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Tout encore, c'est ça qui dit dans fin intervention de Luis Almagro. Dans l'autre, on dit que Luis Almagro fait, il précise que nous avons besoin d'une feuille de route qui définit pas Haïti. Avec étape là dans le pays à lui-même, pour surmonter, pral monter, pral aider, pral travail avec situation insécurité qui vient là. Je dis, ça peut haïtien vivre, surtout en dit crise politique nationale qui vient là, qui doit aborder en façon pour nous bien traiter. Réforme politique, situation sécuritaire, avancer vers question élection, ça est important pour mission Haïti les mêmes, t'as trouvé là jeudi avec ça qu'a dit bon côté ensemble de acteurs dans OEA. Une délégation haïtienne qui rencontre tout dans le jeu qui était mardi, on a rappelé, et on dit responsable OEA, qui est un groupe consultatif Hard Rock, dans ECOSOC ONU, sur Haïti qui était discuté, sur urgence qui doit gagner là, pour que Haïti joigne une assistance internationale, pour que yo implanté, pour yo travail, pour yo mettre accent dans les affaires de sécurité qui gagne là, pour permettre que le peuple haïtien puisse fonctionner comme ça doit et permettre tout gain sans délai organisation élection qui organisée dans le pays. De l'autre côté, mission canadienne l'ONU fait qu'on est que groupe consultatif ad hoc ça l'ONU lui-même qui déchire à parler sur Haïti sur question haïtienne dans Washington demander un soutien que question qui est pour avec les affaires de sécurité, assistance technique avec Haïti, qui peut aider Haïti pour commencer à implanter sans délai développement durable. Il a été discuté avec le secrétaire général OEA et puis président conseil permanent OEA sur l'importance pour renforcer la coordination internationale pour aider Haïti pour faire face avec crise multidimensionnelle dans tout niveau qu'Haïti a fait face. Ambassade de 18 pays ont même rencontré Fonds monétaire international, BAC mondial à BAC interaméricain développement pour souligner, pour mettre accent sur ça, importance pour le travail ensemble pour soutenir Haïti. Mais même là, c'est un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. Important, c'est aider Haïti face avec ensemble problème. La fait face, je ne dis pas. En gros, c'est ensemble acteurs qui réagissent aux crises paysannes, précisément Luis Almagro, lui-même qui est secrétaire général organisation État américain, qui passe suspendement avec la communauté internationale lui-même pour le garder dans quel niveau pour prendre des dispositions pour aider Haïti sortir dans la crise que la fait face. Je ne dis pas, mais Jean-Luis Almagro dit là, Haïti, pour qu'on lit, pas qu'à sortir, mais la crise qui vient là, il doit jouer une bourrade internationale. Assistant secrétaire d'État, Bureau international chargé question lutte contre les affaires drogue et application loi dans les pays États-Unis, annoncé là, il y a livraison ensemble semaine prochaine qui a privé là. Ensemble machine blindée qui a privé jeune police nationale d'Haïti. N'a fait qu'on est assistant secrétaire d'État bureau international chargé lutte contre question de drogue application loi dans les États-Unis. Il était en visite dans le pays. L'ambassadeur Todd Robinson lui-même qui renouvelait son délai engagement pays États-Unis pour aider Haïti dans les affaires de sécurité Kengela. Nous avons quelques machines blindées qui pour arriver en Haïti. Nous avons cité là l'ambassadeur Todd Robinson. Il fait qu'on est il y a travail pour que machines blindées ça yo arrivent d'ici semaine prochaine en Haïti. Tout ça doit attribuer, tout ça doit aider La police nationale d'Haïti n'a maté contre question violence, question gang jeudi qui mettait à genoux, qui mettait Haïti à genoux. Ces déclarations Todd Robinson dans le journal Miami Herald après que les fins inspecté sa équipement ça qui peut arriver à dire garder pour est-ce que blindé ça le fin garder comment est-ce que blindé ça en forme mais il fait qu'on est il a dû arriver semaine prochaine en Haïti. Selon l'ambassadeur, États-Unis lui-même continue à faire toute disposition là avec question équipement sérieux pour le voyer pour la police nationale d'Haïti et mettez accent tout bon côté l'autre membre qui dans la communauté internationale là pour contribuer pour aider Haïti dans bal moyen pour le mater les affaires de sécurité qui gagne là vérification ça yo à anti matériel machine blindé ça yo et en fait, selon ça qui dit, bon côté assistant secrétaire d'État, il fait qu'on ait priorité jeudi à chaque membre, mais nouvelle unité, particulièrement SWAT, que Bureau a fait, Bureau lui-même, il prend ça très au sérieux pour accompagner Andy unité ça, et après l'autre unité qui au même cap des formations dans les affaires anti-gang en d'un pays. Mais c'est Robinson la question qui est posée, il dit, est-ce que ça suffisant dans le matériel seulement pour mater les affaires de sécurité, hein? Monsieur Ticler pour le te dit que, mais l'éclair, le soulier que États-Unis, comme lui-même, pays cap aidé Haïti, mais là, fait pas l'un, mais il y a l'autre acteur dans la communauté internationale, là, qui eux-mêmes doit aider Haïti tout pour mater les affaires de sécurité qui est là. Les reconnaître que je dis, en situation que le pays a connaître très, très difficile, mais un bon matin que nous ne pouvons pas résoudre, mais faut gagner support qui va avec Haïti, faut que l'État haïtien, ensemble avec la police nationale d'Haïti, eux même tout, travaille pour solutionner le problème qui est là. Toutefois, Todd Robinson lui-même, dans nos gouvernements états-uniens, promettent pour que yo créer ça un espace nécessaire pour aborder question problème ensemble Haïti à faire face là question environnement politique là situation politique pays qu'on est là et puis offrir ça ou ensemble mesure cap soulager la police là pour mater les affaires de sécurité. Depuis l'année 2021 jusqu'à jeudi, États-Unis dépensé 92 millions de dollars selon ça qui dit pour porte-parole département d'État américain. Mais quand c'était l'argent ça qui consacré avec question forme ensemble avec acheter nouveaux machines blindées, équipements, tant que gilets balistiques, casques pour la police nationale d'Haïti. Qui donc, de 2021 à nos jours, mais États-Unis comptabilisés dans salle by Haïti, dans la formation avec police nationale, dans le matériel, ils ont déjà dépensé là 92 millions de dollars américains, selon ça qui dit bon côté responsable dans les États-Unis et sous question aussi là. Police nationale d'Haïti, direction centrale la police judiciaire DCPJ, responsable invitation responsable radio télé éclair là, qui trouvait là sur Delma précisément Delma 67 dans Biroli, eh bien invitation ça directeur central police judiciaire DCPJ mandé pour présenter complément à toute initialisation mais pour prendre toute disposition pour permettre là qui est un service compétence à accueillir présenté là qui c'est bureau affaires criminelles BAC qui trouvait la classe 6 sur aéroport prolongé journaliste Lucodésir animateur émission radio télévision et titré ça matin et débat mais qui a passé sur antenne télévision éclair pour que locaux lui-même présenté devant bureau affaires criminelles BAC dans DCPJ vendredi 10 février 2023 à 10h dans matin dans cadre enquête qui en cours que yo pas bail détail qui enquête mais ce que dit dans cadre une enquête qui en cours c'est ça à qui écrit dans lettre invitation silaké mais directeur central police judiciaire DCPJ lui-même à travers bureau affaires criminelles BAC et qui trouve dans la classe 6 aéroport ou aéroport prolongé que journaliste à Lucodésir que tout le monde connaît sous nom Lucodésir il y a un principal animateur vedette émission matin débat qui présenté animé sous télévision éclair lundi pour vendredi 10h pour 1h de 3h l'après-midi mais locaux qui pour le présenter devant un des responsables d'un bureau affaires criminelles demain vendredi 10 février 2023 à 10h non matin jeudi Jean-Odile dans DCPJ, c'est dans le cadre d'une enquête qui en cours pour nous citer responsables dans DCPJ.